la chacun de vous. Amen. Et nous bénis le Seigneur d'abord. Et nous remercier doublement Board Light and Peace Ministry. Et pour ça, il fait. Gon proverbe haïtien qui dit que on parlait que haïtien comprend. Nous dit tout Board Light and Peace Ministry, merci. Et nous dit bon Dieu également merci pour cette famille ça, il te permet nous appartenir avec lui. Et nous remercier particulièrement Pasteur Carl puisque c'est lui bon Dieu by vision qui a mené et ça et qui fait choix de nous à ce soir pour nous capable de venir dans la conférence là et c'est pour nous cahier ça nous à ce soir à titre de conférencier pour nous mener débat. Et là nous garder sans nous pas besoin complexer tête non. Là nous garder nous bord là il y a des gros bishops là dedans, des pasteurs Carl, des pasteurs Poupa. Et puis c'est moi même comme Jack et puis là bon c'est l'homme mouillé bon ou pas capable sentir ou confortable et ça au plus fort plus encouragement là pour continuer œuvrer pour le Seigneur. Et après-midi à tout, nous avons profité de ces circonstances pour dire que nous sommes dans la joie parce que Dieu a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie, ça que je vous dis comme ça, c'est parce que nous vivons une période, qu'on le veuille ou non, et c'était une période comme ça. Nous pas dit, nous pas by date, nous pas by l'heure. Mais c'était dans une période comme ça, c'était dans une période hivernale, quand elle était fait fret, etc. Eh et bien, nous avons eu un homme qui était prêt au plan de rédemption, lui mettait sous doli, lui fait une césarienne, nous sommes capables de dire, pour venir racher nos aboubliers péchés, et puis qui pour faire que nous y ait ça, nous y ait là, à soi. Et avec ça, nous connaissons que Jésus, en dépit de tout mépris qui te gagnait, eh bien, te gagnait des événements qui pouvaient marquer l'humanité. Depuis la prophétie, et qu'on a prophétisé, gagnait un Messie qui pouvait venir, eh bien, il était venu avec toute humilité, il était le fait dans un pack bête. Eh bien, Jean-Lange l'a annoncé là, ça a été fait comme ça. Et la prophétie a été annoncée que il était gagné pour les mener ministère après ça il gagné pour mourir il était mort il était gagné pour ressusciter lui ressusciter et l'autre événement l'inévitable mes chers frères et sœurs c'est le retour de notre Seigneur sauveur Seigneur Jésus-Christ et il est capable de faire à n'importe quel il est capable de faire globalement quand ça retour Seigneur qu'a fait individuellement dans la vie suivant Jean le Renault côté le plan. C'est ça que fait, nous fait toute année, nous avons étudié, nous avons bon diable des thèmes pour nous, la former nous, la préparer nous. J'en livre. Et moi, je fais tirer ça, c'est parce que Light and Peace Ministry, pour moi, c'est une mosaïque qui est en pile tendant, monde qui était adventiste, catholique, whatever, de dénomination. Que bon Dieu permette nous réunir ensemble non seule foi, une seule espérance. Et c'est sûr que, à ce soir, qu'on le veut ou non, et j'hésite à comprendre ça tout, c'est ça que fait, il te dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Événement qui marquait la venue de Jésus, où on doit well prendre diverses formes, que y a moun qui a fêté, y a moun qui a interprété, parce que y a un paquet de diversion à la ria, fête païenne, fête commerciale, etc. Mais on ne peut s'empêcher. Il y a des bagages, c'est des imitations, c'est phénomène social, mais nous-mêmes, nous avons un seul imitateur qui c'est Jésus. C'est ça l'essentiel. Et plutôt que nous profaner, plutôt nous essayer de surveiller, peut-être ça qui est capable de sourire maintenant, mais ça qui a passé dans le monde, les choses. Qui se convoitent les Chanel, n'ont pas besoin de mettre accent sur eux. Parce que ça, quand je dis ça,
bon hypocrisie parfois ouais qui passe dans bayo pendant que mon yo il y a des fois yo dit que yo bay gon paquet diversion qui fait ouais que ce sont guerre des tendances qui a dégagé et ben yo parle directement au but. Hypocrisie a fait que c'est comme d'adou pendant que bon paquet spéculation qui a fait. Et puis en bas, nous avons échangé des cadeaux, nous avons fait belle fête la caille, nous avons, c'est comme d'adou, sans ces deux mouns, nous avons belle souliers cuits, nous avons pied nous, et puis bœuf la même, et puis nous négligeons, et puis comme si nous faisons tendance, nous avons l'existence. C'est comme d'adou, nous disons nous pas manger, nous avons dit ça en servante hier, comme si nous disons nous pas manger et pistache, et puis même c'est beau calme, nous avons nous, et puis nous avons travaillé. Nous avons travaillé côté que. Il y a besoin de bail Noël, n'a fait échanger des cadeaux, etc. Donc, on essaie de quitter un peu d'hypocrisie quelque part, et puis nous prenons bail là, nous embrasser pour s'allier, et puis pour n'aller, parce que Jésus remet le monde qui est sincère et qui marche dans la droiture et dans la fidélité, et pour c'est tout. C'était un rappel. On va entrer directement dans la conférence annuelle, nous. Et qui terminait sous une sorte d'hybride à Meta, si vous me permettez, qui prend naissance dans une thématique qui composait d'évaluation spirituelle et de la visitation. Comme nous avons Jean-Pascal Calteguetta, voyez, petite conférence là, qui nous joint dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Qui c'est examinez-vous vous-même. Et parce qu'elle bien titre lui, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Eh bien, mes chers frères et sœurs, et n'a pas effleuré également, ça que je t'ai parlé des hybrides, parce qu'il y a 2 composantes dans la thématique là, et nous t'ai fait toute semaine, on a parlé notre semaine de visitation. Nous t'ai tiré dans le livre de Genèse, chapitre 12, les versets 1 à 3, qui n'a bien rien au cours de conférences pour nous parler également. Mais nous avons demandé où également essayer de posséder de stylo avec une feuille de papier, parce que nous avons bien rien en pile verset de référence que nous avons parlé à soi, parce qu'en pile, ça que nous avons bien pour nous dire, nous avons tiré tout à la lumière de la Bible. Mes chers frères et sœurs, mes bien-aimés, nous avons tout orateur qui a médité conjointement sous les thèmes taillots. Il a effleuré que pour faire une examination d'après conclusion PAM qui mène nous à la conférence, pour faire une examination, pour faire un inventaire ou un bilan spirituel proprement dit, il vous faut a priori un budget prévisionnel qui n'est autre que Jésus. Et quel que soit Jean, nous m'aimons maintenant, et en mathématiques, je dis, pas une autre équation pour une bonne évaluation spirituelle, mais bien aimé, donc quel que soit X, donc il vous faut Jésus. Donc, il faut que vous naissiez de nouveau. Et nous, Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13, disait, veuillez demeurer ferme dans la foi, soyez des hommes, et puis fortifiez-vous. Par contre, la même. Donc, c'est une recommandation. Donc, amen. Veuillez demeurer ferme dans la foi, soyez des hommes, et puis fortifiez-vous. Donc, c'est une recommandation, Jean d'Abdoula. Et nous jouons dans la Bible, dans 2 Rois, chapitre 7, versets 4 à 8, nous jouons 4 lépreux qui t'ont fait un bilan, qui t'ont fait une examination de l'état, de la situation, qui t'ont examiné tête. 2 Rois, chapitre 8, parce que nous mettons stylo à Bétisette. C'est une référence. Dans 2 Rois chapitre 7, verset 4, nous avons commencé depuis dans verset 3 plutôt. Nous avons 4 lépreux qui étaient chita, qui ont gardé les tailles.
Et puis, ils font coalition. Ils disent ceci. On a commencé le verset 3, j'aime bien de là. Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et si nous y mourons, et nous y mourons, si nous restons ici, nous mourons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Et ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Alors qu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Les Syriens avaient fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et des bruits de chevaux, les bruits d'une grande armée. Et s'ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Éthiens, le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnèrent leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp et pénétrèrent dans une tente, mangèrent et bu et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Donc, mes chers frères et sœurs, là nous regardons, monsieur Sarou, au fond examiné. Il y a examiné tête, il y a gardé situation, il y a fond bilan des sorts. Et puis, là, Jean histoire raconté là. Et puis, nèg yo allé, yo fait foi avec ça yo fait là, avec tête yo, et puis, pareil, la passe, Jean le passe là. Mais ça qui est plus belle dans la cause là, c'est que, n'a pas gardé Jean gendarme, c'est monde qui est intelligent. Et puis, l'histoire dit où, les messieurs arrivés, donc, yo couru quitter cheval yo, yo prend à pied, y aller. Oh, si nous t'as bien regardé, nous t'as, ouais, cheval là, t'as couru plus vite pour ne yo retirer, pour yo jeter. Et puis, ouais, monsieur arrivé, sorti. Mais ça qui est plus intéressant dans bas là, donc, foi, monsieur, mettez, n'a pas ou pas le faire, c'est que, yo tande, monsieur soldat, yo tande un bruit de guerre, un bruit de tonnerre, que yo, inhabituellement, yo pas capable de tande. Et puis il a eu jeté. Ça veut dire que dans le combat où il est là, de pour faire bon Dieu confiance. Dans 2021, nous devons l'attaquer là. Dans le camp adverse là, bon Dieu gagne pour le péton l'obéir, pour le péter, un ouragan, pour mettre une division, pour le retirer, pour le sortir bon passé. Donc c'est ça la foi que nous n'avons pas à pied. De fait, c'est l'autre qu'on dit. Là que où ils vont côté, bagay y a pénaille, y a panagé ou pas à côté pour passer. Et puis adversaire fort, les féroces, ou a saisi ou si son voisinage, ou a saisi ou même caille côté, li rete à côté ou là, ou a saisi ou un jour a passé ou après caille ça, mais gen avant de dégâtissement, parce que petit bon Dieu qui fait bon Dieu foi qu'a prié, eh bien la ville pas qu'à et vint à combattre qui nuisible à propriété. Eh bien, c'est ça qui passait. Nous voyons que monsieur débarqué dans le camp syrien. L'Éternel fait une façon pour yon bruit, lui péter l'oreille dans la tête, monsieur. Et puis, il a couru, il a quitté la zone. Et monsieur est rentré, il a mangé. Déjà, il a fait tête au bilan. Il a dit si il n'y a pas réussi à voir, il a tué, il a mouru. Mais il a sorti pour vivre et aller. Et yon vive. Nous pas pour mettre l'autre connotation pour nous dire que nèg yo aller yal pourchasser pour yal manger. Mais ouais, dans le commencement chapitre là, c'est pas un bagage que nèg yo te fait comme ça parce que l'Éternel ferait des fenêtres au ciel pareil et puis des choses arriveraient telles et dit quelqu'un d'entre eux. Donc c'est pour montrer pour réussir quoi que ce soit
Dans la vie, il faut savoir être confiant. Le mot dans la Bible qui englobe la confiance, qui nous a parlé une fois, et dans conférence, nous avons débattu sur la foi, eh bien, nous avons ouais, le mot dans la Bible qui englobe la confiance, c'est la foi. La foi qui exige et également un degré de spiritualité et une relation avec Dieu. Et sans la foi, nous capables de dire, mais si vous pas ta privé, c'est qu'aucun saint miracle ça, non, camp militaire. Eh bien, sans la foi, nous capables de dire, à soya, tout ce que nous faisons pour plaire à Dieu est vain. La foi même, c'est la seule et unique condition pour connaître le maître, pour connaître mon Dieu. Et nous connaissons, ouais, dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous en donne la meilleure définition dans les mots qui suivent. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et d'après le monde qui fait, depuis l'heure rentrée dans l'évangile, qui a cherché mon Dieu et qui croit dans mon Dieu, qui a confiance dans mon Dieu, qui a fait pas marcher et qui sortit loin. Et sous ta honte, j'aime ta dire dernièrement avec l'assemblée, sous ta honte, honte dans son bagage l'éternel qui est arrivé même, et puis pour capable prendre main, et puis pour servir mon Dieu, puis bien. Donc, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui a cherché la face de Dieu, eh bien, ou rémunéré de pour chercher avec foi, avec conviction, avec confiance. Et la foi, et c'est la seule condition pour recevoir les bénédictions de Dieu, Jean, que nous avons débattu la semaine dernière, dans Genèse chapitre 12, 1 à 3, côté que le bon Dieu dit Abraham, quitte zone sans aucune logique, sans Abraham, pas fait logique, ça nous va joindre de qui ça, n'a quitté ici, n'a l'aller, et puis nous te connaît cette histoire. Eh bien, la foi, c'est la seule condition pour recevoir les bénédictions gratuites du Père, les bénédictions matérielles et spirituelles, le salut même, s'obtient par la foi seule. Et le Seigneur a un horreur à soi, c'est lui qui doute. Et nous songez combien de fois c'est le Seigneur dit à ses disciples, si vous aviez de la foi et ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait comme Jean Quella. Matthieu 17, verset 20 et 21. Et Noël, Pita, Jacques, dans son épître, dira de la foi, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, s'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il a demandé avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevoit quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et il y a pile péripétie, il y a pile bagaille que nous connaissons dans la vie, nous réussissons dans la vie. Et si nous te prions avec nos fois, qui doutait et nous pas t'appris ici. Et qui est-ce nous y est? Jean l'homme méchant, tout barricade, tout embûche qui gagne dans le monde ça. Toute loi, tout décret, nous prend dans l'immigration, dans une série d'institutions étatiques. Qui est-ce nous y est? Ou pas l'île dans les fins pour ta connaître côté pour passer? N'était-ce pas le Saint-Esprit de Dieu? Eh bien, de pour faire bon Dieu confiance, ou pas douter, et Jean Quella l'a prouvé comme ça.
Ici, la question que peut-être est en pile dans nous, a posé cap tao de nous un peu, c'est quelle est la différence que parfois nous dit qui gagne entre la confiance et la foi. Yo pas trop loin. Yo c'est des siamoises, sont capables de dire. Peut-être Omer et fils ou la foi est-ce synonyme de confiance? Non, nous pas besoin de faire tout à décortiquer tout bagage ça yo. Avec telle question, nous pas pral bay une réponse qui concise et exacte. Car nous croyons que la foi et confiance dans certains contextes yo capable de rassembler comme deux gouttes d'eau seulement pour avoir confiance en Dieu. Je crois dans lui. Donc, Psalmiste l'en disait quelque part, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne des Sion et elle ne chancelle jamais. Elle est affermie pour toujours. Dans Psaume 125, verset 1er. Donc, en d'autres termes, il y a d'autres passages, nous lit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il y a des fois où on doute, il y a des fois où on croit dans la tête, où on croit dans la capacité. Non, à ce moment-là, c'est confier dans l'Éternel, de foi en bon Dieu, avec tout cœur, mettez toute confiance dans lui, pas appuyer sur sagesse. Moi, Salomon te dit par ça dans Proverbe 3, verset 5. Et ou encore, Israël, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Dans Psaume 115, verset 9. Il est le secours et leur bouclier. Mes frères et sœurs, pour croire dans mon Dieu, nous capables de citer d'autres versets encore. Mais nous avons seulement fait texte de référence à eux pour mettre dans l'ambiance. Parce que Jésus lui-même lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit dans Marc 9, verset 23. Donc, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Chers frères et sœurs, nous sommes dans une année si difficile. Nous n'avons, Jean-Pascal Caltab dit dans la prière d'introduction, dans la prière d'intercession, nous sommes une année difficile. Nous avons la 52e semaine de l'année 2021. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru et nous là, à soi, nous avons partagé ensemble la parole de Dieu. Et nous gagnons une année 2021 qui a fractionné là, qui a venu. Donc, nous obligés de faire bon Dieu d'abord plus confiance toujours. Parce que c'est dans bon Dieu tout espoir nous y est. Et pendant que nous guettons encore, pendant que bon Dieu permet nous vivre dans la 52e année, et nous avons avancé vers l'année 2021, et nous là, nous avons respiré, nous faisons confiance, nous avons un projet, nous avons un budget. Eh bien, profitez-en, apprendre à compter jour nous. Nous jouons dans la somme 90, que nous sommes, en pile fois, nous remettons lit dans funérailles, mais à ce moment-là, nous-mêmes, c'est pendant que nous vivons. Et pour nous faire ça, c'est pas pour mourir, parce que les gens qui mourent, il y a des bagailles qui pas, c'est pas pour les gens qui mourent à l'île. C'est pour une façon, c'est pour les gens qui viennent participer dans ce funérailles-là, pour prendre des leçons, des exemples, pour apprendre compter les jours, pour apprendre gérer ça. Eh bien, à ce moment-là, nous avons le privilège pendant notre débat de ça, pour nous dire. 2021 qui annonçait difficile, qui a venu avec des prévisions, qui fait qu'elle sautait, eh bien, Mando, Jean-Moïse, qui dit là, mes chers frères et sœurs, c'est pour nous apprendre à compter jour nous. Il nous enseigne à bien compter nos jours,
afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90, le verset 12. Et c'est la prière de Moïse, homme de Dieu, qui te dit, qui te enseigne, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et nous avons plusieurs autres textes de référence qui parlaient de même bagaille-là. C'est dans la Colossiens 4, verset 5. On dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Éphésiens 5, 16, il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est-à-dire que, il n'est pas dit car les jours seront mauvais. Non? Car les jours, c'est-à-dire que nous sommes déjà dans un mauvais temps. Donc, mes bien-aimés, pendant qu'on a fait bilan, pendant qu'on a examiné nous, peut-être, bilan qu'on a fait en état, on est capable de piler l'année prochaine, si on applique des principes. Mais qu'on s'attend, on est capable de piler catastrophique, suivant les gens qui ont géré, suivant les gens qui ont compté. Temps, suivant les gens qu'on compte les jours, suivant les gens qu'on applique cœur à la sagesse. Nous déjà dans un mauvais temps, déjà. Bien aimé, nous avons des vieilles habitudes pour nous jeter et comme ça nous avons des principes à appliquer. Nous avons un choix pour nous faire dans une année qui est déjà annoncée difficile, année 2021, ça. Et là, on a regardé, 21, c'est un multiple de 7. 7, qui c'est un chiffre de perfection. Et nous songez, Joseph, qui était devant Pharaon, dans Genèse, chapitre 41, verset 1 à 36, on a vu sur ça, là, on a tourné, parce que c'est nous, qui gère des conférences de l'administration hybride, qui composait de examiner de vous-même et de visitation pour recevoir bénédiction. On a tourné sur lui plus tard. Mais nous faisons coup là. Mais on nous retient toujours le principe d'évaluation, principe d'examination, examen de la foi. Pendant un état, nous connaissons des situations difficiles, c'est vrai. En pile, monde mourit. En pile, dans nous. Mais Dieu merci, nous-mêmes, nous te bon Dieu te compte nous, le la compte tout le monde. Il te compte nous dans tout le monde qui te gagne pour te là, soya. Nous là. Nous te fais foi, nous te fais confiance dans bon Dieu. Et nous là. Eh bien, à soya, nous prenons dans 2021. Nous gagnons, et nous te gagnons pendant 2021, nous te gagnons des thèmes sous discernement. Et en même temps, et dépendamment, et des choix qui ont été faits l'année 2021, eh bien, à Soya, on a profité pour nous dire et on a des principes pour mettre dans la vie pour affronter l'année qui vient. Et bon Dieu lui-même, qui connaît, ou là, lui équipe pour nous capables d'atteindre l'objectif, nous. Et la parole de Dieu est idéale lorsque nous envisageons pour nous recommencer, pour nous réussir, pour nous améliorer et aller de l'avant. Et comme ça, on peut faire la même chose en espérant des résultats différents. Comme ça, tout, nous sommes capables de faire des choses différentes pour nous gagner une plus bonne gestion, pour nous avoir une plus bonne examination, pour nous passer, pour nous avoir un bachelorat dans la vie, pour nous faire une examination qui est beaucoup plus profonde, qui est beaucoup plus éclairé, suivant le choix qu'on fait pour les autres prochaines années à venir. Et on pas qu'à faire, sans on pas gagner la foi. Regardez dans l'épître de Paul, et Philippiens chapitre 3, verset 14, parce que pour arriver dans 2021, pour avancer, pour avoir des principes de base pour jeter, et constater un bon comportement bien, un bon but, pour fixer, ou bon choix pour faire, ou bon côté où vous aller. Là, nous lisons dans les Philippiens, chapitre 3, verset 13 et 14, parole a dit, mes chers,
Mes frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Pas gagné pour nous garder derrière. On est à bilan capable négatif. Mais on travaille, on nous fixe des regards nous vers l'avant. Pour nous gagner un bilan plus positif, pour nous examiner nous avec plus d'excellence. Et 2514 là, il dit, je cours vers le but. Pourquoi? C'est pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, il faut nous fixer, il faut nous battre nous, nos objectifs. Parce que, je te dis, pour faire un bilan, pour faire une examination, il faut gagner un budget provisionnel. Budget provisionnel, là, n'est pas d'autre que Jésus-Christ. Lui-même, qui c'est au Dieu de provision. Il est Jéhovah Jireh. Dieu, il pourra. Mais pour faire faire, pour capable positionner, pour parler comme ça, pour un changement de position et de condition. Mes chers frères et sœurs, c'est ça que fait. Assoya, nous là, pour nous débattre, pour nous qu'à comprendre comment pour nous situer nous, parce que nous avons côté, nous devons aller et nous devons arriver. Donc, nous nous trouvons toujours, parfois, à la croisée du passé, du présent et du futur. Et notre décision, notre vision et nos actions, c'est lui qui peut déterminer la finalité, à mes bien-aimés. C'est lui qui peut déterminer les résultats, bien sûr. Au sein 2021, mais il faut qu'on fasse foi avec vous qui n'a pas marché avec lui. Et ce qu'il faut savoir, vos échecs ne marqueront pas la fin. Même là, la fin de toutes choses est proche. Mais soyez sobre et sage pour vaquer à la prière. 1 Pierre 4, verset 7. N'a pas demandé à soya pour placer le passé dans le passé et continuer d'avancer vers le but et continuer à examiner notre foi et pour avoir enfin. Pour voir vraiment si ce que Dieu a préparé pour nous, si vraiment nous prêts, si vraiment nous sommes cheminement pour nous prendre. Pas penser avec accident de parcours, pas penser avec événement malheureux, parce que nous avons but. Et nous dit, nous pourrons faire de nouvelles choses, de nouvelles expériences sur le point d'arriver. Attendez, ta parole, mon Dieu, dis-nous. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 18 et 19, c'est que nous devons attirer attention. En pile fois, il y a des bagailles, il y a des chocs, il y a des chocs psychologiques qui étaient dans l'esprit ou qui ont fait chaud avancer. Nous garder en arrière-toi. Mais fixer les yeux sur mon Dieu. Pas garder les événements. Mais garder mon Dieu. Mettez foi dans mon Dieu. Même Jean-Pierre Fell, il a marché vers Jésus. Il a des foi dans Jésus. Il a fixé Jésus. Il a marché très bien. Mais cool, il garde côté le sol, côté le vide, il commence à garder la tempête à l'instant même. Il commençait à effondrer. Thème n'en venait à soi pour nous mettre plus foi, pour nous amplifier foi, nous. Ah, mon Dieu, j'aime d'abdi noir, dans le livre prophète Esaïe, chapitre 43, verset 18 et 19. Esaïe, chapitre 43, verset 18 et 19. Qui sa parole a dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Il est oublié COVID, oublié toute sa COVID, et sur des cicatrices qui ne peuvent pas aller, des parents qui ont été
de yon membre influent de famille yo, en pile ti moun de la misère, en pile ti moun nan orphelin. Li ki e COVID la kite en pile ti moun orphelin. En pile trou vide. Mais nous mande yo aswe a pas fwa ke de nan bon Dieu. Jean prophète la di la. Ne pensez plus aux événements passés. Et considérez, ne considérez plus ce qui est ancien. Maintenant, la pando, fixe ses yeux sous mon Dieu. Parce que c'est lui qui secoue moi. Et Jean-Charles Islandia, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et le secours, mes chers frères et sœurs, ne vient pas des montagnes que l'on voit, mais du Créateur des montagnes qu'on ne voit pas. Et c'est lui qui a créé toutes choses. Donc c'est lui qu'il faut s'adresser. Et c'est avec lui. Et c'est lui qui dit parole ça. Et parole yo rassurant. Mais bien aimé, pas oublier, nous avons évaluation, nous avons bilan, nous avons examination. Ou bien, pour faire un choix, j'aime pas dire, de nouvelle année, ça, avec bien aimé. Et peut-être, chaque jour, nous réveiller. Peut-être, c'est un jour pour nous expérimenter la grâce et la fidélité de Dieu. Qui ça me le dit pas là? Nous avons 365 jours. Nous sommes passés, liés aux séries de bagailles. Nous avons gardé la nouvelle année à Cap-Vignan. Il y a 365 jours qui sont venus. Chaque année, il n'y a pas même. Et évaluation 2021 a peut-être a dit effort différent. Il n'y a pas même à 2021. En fait, refuser de considérer un seul jour comme garantie ou que 365. Et la Bible dit chaque jour aura soin de lui-même. Si oiseaux, peut-être, nous pas s'aimer et nous vivre. Nous pas d'eau pour la décor, pour nos parasites, pour pas travailler. Comme si la tempête ministre dit, fais mon Dieu confiance, quoi, et tout va y avoir sur nous. Non. Mais nous gagnons dans 365 jours, nous devons refuser de considérer le seul jour comme garantie. Dans le principe vital, la parole de Dieu dit dans Michée, chapitre 6, verset 8. Donc, c'est une façon pour dire, si vous faites ça qui est juste, si vous traitez avec le monde gracieusement, et si vous, par exemple, oubliez ce bon Dieu qui est bon Dieu, tout ira bien. C'est l'interprétation, ça. Nous baillons dans Michée, chapitre 6, verset 8. Et budget prévisionnel, nous, évaluation, nous. C'est dans mon Dieu lié. Et Jean-Salmis l'a dit, dans Somme 19, verset 15, il y a des paroles prononcées, parce qu'il dit, fais mon Dieu confiance dans tout cœur, dans tout être. Et parole là, ça dit dans Somme 19, verset 15, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Donc, depuis où fait bon Dieu confiance, j'en dis là la preuve quand même, bilan a toujours positif. Et c'est bien des modèles de principes sérieux. N'a pas demandé à soi pour adopter, pour marcher, mais fait bon Dieu confiance. Et Jéhovah Jireh, Dieu de provision, Jean de fait pour Abraham, elle t'a demandé de le déplacer. Il souffre foi comme ça. Là, aller comme ça. C'est ça que fait Assoya. Maintenant, c'est examiner vous pour voir si vous êtes dans la foi. Et nous prenons, maintenant, nous diviser en deux modules. Nous prenons le premier module là pour nous te parler. D'examinez-vous. Il y en a bon quelques principes qui te permettent de rater
quelques segments dans le budget 2021 pour appliquer pour un bilan plus positif dans le bilan 2021. Et pour continuer avec le premier module là, nous parlons de deux principes avant de traverser dans le deuxième module là, qui c'est visitation. Comme nous te disons, c'est notre thématique hybride qui bat nous, thème ça à soi, thème conférence là. Et nous ne pouvons pas effleurer deuxième nom, qui est entré la donne. Et pour qu'à bénir, premièrement, on doit faire de l'éternel tes délices. Pour capable avoir un bon bilan. Pour capable appuyer, pour faire plus foi à la parole de Dieu. Pour, si 2021, on te connu réciter verset sa ou, parole sa ou, comme déjà qu'on répète. Mais n'a pas vraiment d'où encore cher. Pour faire de l'éternel tes délices. Pour faire de l'éternel ta priorité. Pour faire de l'éternel ton associé. Et tu réussiras. On réussit à Néa. Associé avec des fervents chrétiens, des fervents serviteurs, des mondes qui mettent les genoux à terre, qui aident des mondes dans la prière. Des mondes qui ne sont pas bons, des directives qui n'ont rien à voir avec lumière, qui créent plus dans l'obscurité. Évitez-vous. Les chrétiens, associez-vous à des fervents chrétiens, des vrais adorateurs. Et si la Bible parlait de vrais adorateurs, c'est-à-dire que quelque part, il y a des faux, il y a des faits tout. Parce que leur côté n'a pas les là, parce que vraiment leur est venu, où les vrais adorateurs, que tu adores, Dieu en esprit et en vérité, car Dieu lui-même est esprit, il faut ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et au bon Dieu que nous ne pouvons jamais voir. Nous tendez parler de nous. L'en garde merveille, l'en garde création. L'en garde pour nous ça nous y est, côté nous passer, côté nous chapper. En bas des malheurs, nous vivons tout beau. Bon, bon Dieu. Il y a des églises qui ont crié, bien bon Dieu. Nous croyons, nous faisons foi, nous avons confiance. Et bon, bon Dieu tout bon. L'est arrivé pour que les vrais adorateurs adorent bon Dieu ça en esprit, en vérité. Et nous avons une référence à nous sommes là, dans Somme 34, verset 7, qui dit qu'il m'a dit nous pour nous faire de l'éternel, ta délice. Nous avons dans Proverbe, chapitre 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui se fait avec les insensés s'en trouve mal. C'est ça que nous dit, faut qu'on. Ou associé à des fervents chrétiens. Il y a des bagailles, ou il doit arriver, ou pas qu'à jouer tout contour. Et ça fait la Bible à nous, il faut persévérer dans l'affliction. Et après-midi, nous jouons également Esaïe 41, verset 10, et Amos 3, verset 3, celui qui fréquente les sages. Celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Et si nous lisons toi et les quatre versets, nous avons besoin d'une aliénation entre eux. Somme 37, verset 4, Proverbe 12, 13, verset 20, Esaïe 41, verset 10, Amos 3, verset 3. Nous avons Jean. Et ça fait, tout à l'heure, nous te parlons de changement de position et de conditions. Tout ça va rentrer dans le cadre des principes à adopter pour nous affronter mieux, afin que même chose ne pas reproduit dans les mêmes circonstances, même histoire, pour nous capables de bilan plus positif. Et ce n'est pas pour rien. On dit créer des groupes, les créer des frères et sœurs, les créer des technologies qui permettent de nous interconnecter, de nous communiquer. Il y a des bagages, nous pas à la hauteur. Il y a
Il y a des situations où nous trouvons nous devant nous-mêmes seuls, nous faibles de la prière, nous ne sentons pas capables. Mais les nous jeunes avec du monde, les nous, c'est pour un zin, c'est pour un tripotage. Sont j'ai soif de quatre gens qui nous bouche lit, nous venons plus fort. Nous besoin d'un ir, même bien avec Moïse. Peuple Israël dans le combat. L'autre la soutenu, il vient plus fort. Il bataille la plus serrée, la plus sanglante, il y a plus de victoire. Mais elle baisse ses bras. Donc c'est même coalition ça. C'est le sage l'a dit. C'est lui qui fréquente les sages, devient sage. C'est lui qui se plaît avec les insensés sans trop mal. Ça me doit aller fort. Nous ne voyons pas quelqu'un à faire des discriminations. Mais Anessa demandé pour nous chercher colonne nous. Parce que nous pouvons affronter une année qui est difficile. Pour nous venir plus fort. Pour nous gagner plus confiance en mon Dieu. Et notre principe, Nabaou, 2021, ça, de toute façon, pour gagner un plus beau bilan, pour une bonne évaluation, l'année prochaine, parfois, j'en ai gardé mon de l'argent, mon de l'argent pour aller à gros cancer, peut-être qu'après ravager l'église, je dis, c'est rancune, c'est hypocrisie. Et nous songer, nous avons gagné une éducation, nous avons parlé avec vous, côté nous avons cité pour vous, nous avons une liste, les six et même les sept choses de l'Éternel a en horreur, qui dans Proverbe 6, verset 16 à 19. Et bien avant, pour nous décider et pour nous garder rancune dans 2021, posez-vous une question. Une question. Regardez, combien de pardons est-ce que Dieu m'a accordé en Jésus-Christ? Dans Éphésiens, chapitre 4, 32. Et nous avons rancune, amertume. C'est Yonan. Il était rentré dans l'Église. Bagaille que l'Éternel lui-même lui raille. Il gagne en horreur. Et bagaille ça, qui a ravagé l'église aujourd'hui. Nous demandons, souhaiter qu'on a bien en bagaille ça. Nous demandons, année 2021, mettez bagaille ça, regardez en arrière. Parce que, yo pas prenons bien. Et parfois, on ne peut pas vouloir pardonner. On peut dire, ça et tel fait. Même dans l'église, où tant de monde a dit, tout à pas mourir, tout en dit, livre, pas tout, même pas qu'on est. Il pas oublier ça est tel que tel. L'Éternel a rancune, il a amertume en nous. Et poser aux questions ça. Bien avant, tu as décidé pour t'as garder, qu'imbé, mœurs traditionnel ça, t'as crasé, qui empêché l'amour régner. Et avec Jésus, l'amour te fait place à la grâce. Et gracieusement, on dit, bah, nous, privilège, pour nous parler, pour nous discuter entre nous, pour nous prier avec nous. Et on pas capable de monter, on pas capable de faire un bilan, pour pas checker ça, comme nous rongeurs. Et nous te dire, est-ce qu'on pourrait poser, est-ce qu'on pourrait vous poser aux questions ça? Combien de pardons est-ce que Dieu m'a accordé à Jésus-Christ? Réponse là, il est dans Éphésiens chapitre 4, verset 32. Il dit, voyez, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Donc, c'était première. Module que nous avons participé avec nous dans même thème. Et si nous avons fait tout fait, nous avons dit au café parce que nous allons nous parler.
ou ka pon ti de l'eau. Et si nous tenons une assemblée, nous avons dit n'a pas une pause, qu'a fait une pause musicale. Mais nous avons continué parce que deuxième module, la pral plus longue, nous avons pris de l'eau. Et puis pour nous enchaîner avec deuxième module là. Nous avons enchaîné, nous avons respiré un peu. Et puis nous avons tourné le deuxième module là, qui est plus longue. Et toujours Kembe Pilon près et avec. Et n'a pas beaucoup, parce qu'il n'a toujours une réflexion. N'a pas très dans le deuxième module là, qui te fait partie du thème pour moi, qui te parlé des semaines de visitation, notre visitation, ma semaine de visitation. En d'autres termes, bon Dieu, à visiter pour bénir. C'est ça nous fait lire dans Genèse chapitre 12 verset 1 à 3. N'appelez pour vous qui c'est. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de ton père, dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je te rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Donc, ma bien-aimée, et récemment, je t'attendais sur Alicia qui t'a parlé des lions machins de café qui raté nous avantages, c'est-à-dire qui raté une bénédiction matérielle parce que le président de la République Bali une vision, une visite. Mais bien aimé, ça me tire, c'est toujours foi qui a parlé. Ça me tire dans l'illustration servante là, c'est que il y a des monde de pourtant de à ville la caillou ou tellement gain foi dans poche li ou tellement gain foi dans ça gagné dans ça qui li possédé ou connaît depuis moun sa ville la caillou ou pas capable li pas quitter la caille la sèche même les aller et ça fait que ou connait ou gon malade surtout pour chrétien qu'al visiter malade dans l'hôpital, ou qu'on est malade dans une souffrance extrême. Mais depuis missionnaire à rentrer, et donc, même les souffrances ne peuvent continuer après la visite là, ils vont offrir des soulagements. Parce qu'ils connaissent les gens qui sont là, papa qui te mène une prière. Ils connaissent les gens qui viennent là, s'ils ont trois prescriptions dans la tête cabane, au moins, il y a une cap. Exécuter quand même. Donc, pour me dire, et c'est un comme ça, là que on connaît Jésus, pral vini au côté, beaucoup, mais fois beaucoup plus grand encore, on connaît depuis et nom ta vini, li bon visite, tu vois ça que au moins, depuis tu vois ça qu'on a pas tellement, ou pas capable de sortir. Avec un bagage bilan, examination, pas capable positif. Et c'est ça que fait, bien des fois, je connais du mal pour me comprendre. Il y a un autre exemple, il y en a qui sont simple chef de bureau. Par exemple, parce que quand ils font carrière en administration en Haïti. Là où on déplace, il quitte la caille. Il connaît, il peut aller dans le bureau directeur, il peut aller dans. Il connaît depuis la sortie, même comme machine, comme taxi. Directeur, pas balé. Faut pas y'a ta mal net. Songez, bon époque, moi, téléco. Ou gade ou elle, puis moun ne connaît, à l'époque, ma travail pour mourir dans le sixième étage. Gade moun d'abri koto ou elle passe dans le premier étage là. Li font passer le tessil de sous machine, camionnette. Les passants de l'eau dans la figuille, etc. Et puis, il connaît le pral dans l'administration, quand il pral fait tout faute.
Et puis, le, c'est des amis, les ovini, si ovini dans leur lunch, pendant ce moment, il n'y a pas pour manger, je passe un point 4 jours, je descends dans la cafétéria parce que et, si vous avez rentré dans la cafétéria, l'acheter manger à $12, nous-mêmes employés, nous payons $6. Donc, les gens dans la et c'est bon manger, et bien, nous, pendant ces employés, pas pour manger, je prends tout 4 ça, je descends en bas, et puis nous manger copieusement, etc. C'est pour montrer que depuis bon visite du côté bon espoir qu'a dégagé bon foi qui n'a interlocuteur donc c'est une des fois qu'on a du mal pour comprendre que un chef d'État soit dans le pays d'Haïti ne pas prendre l'autre pays me connaît ça fait comme si pour nous rencontrer avec un chef d'État pour affaire pour situation pas changer ça me du mal pour comprendre. Parce que ou pas ka, c'est pour bagarre joindre tous les jours. Il y a des visites depuis que ou recevoir ou sorti à un bagarre quand même. Donc bilan ou pas ka arrêter même. Mais c'est comme ça nous ouais une fois qui dégagé non semaine de visitation là nous les choisi thème ça Jean-Abraham déplacer là sans aucune logique. Et l'on regarde toute promesse qui est tant sous tête Abraham et jusqu'à présent nous relais nos fils d'Abraham n'a joui parce que l'Éternel t'a dit yo bagay et c'est ça que nous t'ai fait référence à Somme 19 verset 15 à l'air reçois favorablement les paroles de ma bouche les sentiments de mon cœur Éternel mon rocher mon libérateur donc là l'Éternel s'est prononcé. Effectivement, Abraham tout lui fait foi à la parole de Dieu. Et nous voyons combien il était, etc. Puis le chameau, combien de monde qui travaille avec Abraham, bon Dieu bénit. Parce qu'il te fait confiance à ça, bon Dieu te dit là. Et nous voyons, Abraham va le séparer avec l'eau. L'eau choisit belle pleine. Ou Abraham, même Abraham mouté, c'est pour les autres têtes monio. Parce qu'il connaît que le monde qui voit là, c'est le monde qui fait désert fleuri, il n'est pas capable. Et pour nous entrer dans le deuxième module là, on a dit, si dans l'Ancien Testament, bénédiction, c'est qu'on s'en est fait non sens pour les Juifs, eh bien, dans le Nouveau Testament, bénédiction, c'est vine pour les nouveau-nés, monde qui naît de nouveau. C'est ça que fait Jésus, même t'as fait une mise en contexte à Taléa, nous, à ce qu'on fait ça dans le contexte, côté, dans l'époque pour ça, Bonnet qui vini, les fonds césariennes avec un plan de rédemption, il retire nous dans le boublier péché côté noté, et puis, il mette nous sous le monde, je dis, nous bénis, et je dis, n'a parlé au nom de lui. Et il y a 2000 ans, nous pas là. C'est des récits, des histoires véridiques, des miracles qui sont opérés, des multiplications de pain, des mondes qui étaient en perte de sang, des mondes qui étaient malades, des mondes qui étaient boités, aveugles. Jésus était fait au guéri. Et jusqu'à présent, au nom de ça, Jésus était qu'on fait, nous fait foi avec eux, en pile prescription, en pile opération envoyée. Parce que nous faisons pour Dieu confiance, nous faisons Jésus confiance, nous jouons une bénédiction. Et j'ai notamment essayé de partager quelques principes à adopter avant pour l'année 2021. Une année, nous disons, qui annonçait déjà comment difficile, comment nous voyons les chefs d'État à mettre des grosses sommes pour faire face avec d'autres maladies qui viennent pour venir. Et j'aime te dire nous, dans même les Genèse là, nous pas besoin de gros mathématiciens pour nous te connaître. 21, c'est un multiple de 7. Côté, dans la Bible, 7 qui fait un chiffre de perfection. Et dans le livre Genèse là, dans le chapitre 41, nous te dit déjà, nous avons demandé pour ouvrir avec nous. Genèse chapitre 41, le verset 1, on a 36 qui nous fait. Ni tout, Walili, côté que Joseph, c'est devant Pharaon,
Et puis, Joseph, côté, tu as parlé au bout de 2 ans, Pharaon, et font songe, et voici sept ténèbres près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir, et grasses de chair, montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la palle, dans la prairie, et 7 autres vaches laides à voir, et maigres de chair, montèrent derrière elle, hors du fleuve, et s'éteint à leur côté, sur le bord du fleuve, etc. Ou à guet en lit. Voilà. Mais ça qui, ça l'a tiré attention, non, et 7 vaches maigres, 7 vagas, ou qu'on y soit, ou bien, par contre, combien de saisons qui passaient dans la vie, ou, qui font faire des mauvais bilans. Et c'est ça que nous te prenons soin pour nous dédouer. Vieux bilan, ça y est, quittez au derrière. Gagnez-vous en horreur. Mais fixez un nouveau but. Parce que nous avons l'autre examination. La foi pour le mandat pour faire. Pour rentrer avec des principes dans l'année 2021. Mais côté ça qui prend. Pour quitter toute misère, ça y est, tout chagrin. Etc. Nous passer tout mauvais souvenir, tout vieux bagaille qui était dans l'aideur. Et puis, gon côté dans chapitre 4, dans verset 16, là, côté Joseph, tu as dit, souligné, Genèse, chapitre 41, verset 16, Joseph a dit à Pharaon, ou à l'île d'eau, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. C'est que pendant que monsieur a toute l'attitude de Bouye Bali pour faire des interprétations, mais il y a une foi que ça qui n'en met là, ce n'est pas lui-même. Même ça qui a sorti dans le bouclier, qui est favorable à son là, c'est de l'éternel qui sorti. Et c'est ça que à ce là, moi songe et frère l'autre a fait une illustration côté la palais, y a un monde qui levait l'alcaille ou de vin et un gant. Et puis avant un gant commence le travail, il dit et sale ouais sale pas ouais, et puis il dit grand maître ou a fait 10 dates. Et puis même côté à monde qui vient visiter là, dit bon, c'est toutefois que moi vinn kayonèg. Et puis, c'est bon Dieu lui mandé pour le passage, pour faire ça, pour le faire. Et bien, moi-même, tout. Je suis allé contre bon Dieu, et puis, m'a besoin de satisfaction. Il m'a positif. Et puis, tout bonnement, il fait foi avec ça, il te dit. Là, il est contre bon Dieu, et puis, bagaille, il marche. Donc, elle dit que, il y a des situations où vous trouvez. C'est. Bon Dieu qui répond sur Panamé, il n'est pas dans l'homme. Il n'est pas bon Dieu. C'est ça que nous avons pour redoubler, pour voir exactement si ou même vraiment on a la foi, si pas vous, vous avez monté. Il y a des échecs pour voir si ce n'est pas ou même qui provoque. Pour nous transgresser la loi divine, en ignorant cet principe divin. Dieu qui donnera une réponse favorable à toi. À ce moment-là, moi senti, bon Dieu, il y a une bénédiction pour moi, pour nous qui sommes là. Nous tous, le monde qui est habitué à partager des témoignages, des aides de prière, dans Light and Peace Ministry. À ce moment-là, moi senti pour nous dire, bon Dieu, il y a une bénédiction, il accordé ou. Ou pas besoin de garder ni à droite ni à gauche. Pas garder des mouns qui fait des faux promesses, qui fait des faux espoirs. Mais fixez yeux sur mon Dieu. Et ça fait matin, à soi, nous allons inviter ou. On a lu le chapitre 60 du livre du prophète Esaïe. Mais avant que nous arrivions, n'a pas dépassé le col.
parce que je n'ai pas une Bible créole côté de moi, pour lire le premier verset à pour moi, dans Ésaïe chapitre 60, verset 1er. Et parce que si la Bible créole est tout prêt, on va lire pour moi, parce que je n'ai pas une là, dès que je vais interpréter lui, même Ésaïe 60, verset 1er. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Levez campé. Ou pral clairer tant qu'au soleil. Pour voir Seigneur pral clairer sous. Amen. 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 Matin, asoya, n'a dit le Light and Peace Ministry, tout chrétien, fervent chrétien, l'ami internaute qui habitué participer avec nous sous l'île. Jean Vester a dit à nous, ouais, je vous fais fois comme ça, n'a dit Light and Peace Ministry, levez campé. Alléluia. Nous pral clairer tant pour soleil. Amen. Et moi par contre depuis qu'il est au soleil là. Par contre depuis qu'il est peut-être ou actif ou gagne au soleil là mais pas actif. Ou bien doit son simple auditeur. Ou bien doit son ami qui compte parler ou compte couci couça sur le là ou là. Mais à soi, je me sens que le Seigneur dit non, Light and Peace Ministry, levez, campez, parce que vous pouvez éclairer tant qu'au soleil. Quel que soit sortant de cap fait pour l'année 2021, moi-même, pas ouais, ni à gauche, ni à gauche. Il y a des principes divins, depuis que nous mettons en application, il nous fait foi en la parole de Dieu, quand il faut éclairer, il faut éclairer. Hey! Alléluia! Ça connaît. Peut-être lever campé, si nous t'apprêtons à lever campé seulement, nous t'apprêtons à faire une conférence même pour tout le reste de moi, tellement nous t'apprêtons à jouer une bagaille pour nous dire, dans lever campé seulement. Mais, chapitre-là, il dit lever campé, on peut l'éclairer, d'un coup soleil. Par contre, depuis qu'il est où on doit être sous l'île, c'est chita ou chita. On doit être sous l'île, mais on chita. On doit être sous l'île, ou t'es non blackout sauvage. On doit être sous l'île, même compteur on est enlevé. Spirituellement, pas de puissance. Pas de la foi. Pas de bénédiction. Mais, à soi, à l'éternel, il nous fait foi. Pendant qu'on a débattu la foi, pendant qu'on a examiné la foi, nous, pour nous aussi nous dans la foi. Après-midi, nous sentons que le Seigneur voulait passer avec nous. Il a besoin de lever nous en dignité. Il y a des gens qui chita longtemps. Non seulement nous te chita, nous te non blackout sauvage, mais il y a des gens qui même j'aime ta dire que nous débrancher, nous pas besoin de prendre prise, ni sous Saint-Nicole, ni sous Saint-Lucie, ni sous Saint-Alomène, ni sous Saint-Wilda, ou pas besoin de prendre prise, tellement faire confiance, ou pas éclairer, ou même, et pas ou même, mm-hmm. Seulement si et seulement si, ou faire bon Dieu mm-hmm. confiance, ou bien foi dans la parole, bon Dieu. Amen. Et, si tout l'autre monde qui j'ai l'impression que l'autre monde qui pourra le éclairer nous pourra demander qui ça passe au comme ça et on pourra le sentir pour sous les tout passage là ouais d'où l'air au campé lumière pas seulement pour ou pourra le voir des rayons avec monde qui alentour yo et j'ai l'impression on pourra tellement éclairer il y a des monde qui pourra le connaître qui boit ou joue une puissance ça. Énergie. Alléluia. Loi d'homme ça. Formule ça. Et là, ça, nous pas besoin de lever tête nous, ni faire chèlbe. C'est pas. Nous pas besoin de mettre badge Light and Peace Ministry. Seulement, dire au vini à ouais. Parce que l'éternel va le faire éclairer. Et tout le monde va le faire ça. Parce que chandelier pas éclairé,
pour le mettre en bas cabane, mais c'est sur montagne. C'est que dans le travail, on va éclairer dans l'école, on va éclairer dans le quartier, on va éclairer. Mon seul bagage, on te chita pour longtemps, l'éternel doux, levé campé. Amen. Et, mes bien-aimés, nous pas besoin de poser aux questions, ni connaître qui ça te met au chita, qui ça te fort à tes plates. Nous pas besoin de détails ça. Mais on sait le bagaille, nous qu'on dit premier saut pas saut, deuxième saut pas saut. On sait le bagaille n'a bou, j'en ba la déroulé là, j'en ba la pral vini là, sauté à terre, baille de trois cap, levé campé, pour jouer une bénédiction, parce qu'on peut éclairer. Mon seul bagage, ou bien pour faire foi à la parole. Nous parlons de quelques versets dans le chapitre 60 là. Mais ou bien, ou même comme devoir, pour lire après conférence là, à ce là, parce qu'elle te dit, mettre calé comme j'aime blé, mais quoi, c'est pour moi, bah, l'évangile là, j'aime blé. Ou même si vous avez dormi, ou mettre dormi, vous n'avez pas ronflé. Amen. Donc, nous à 25 décembre nous dans confinement nous pas blaï l'évangile parce que 2021 cabina parce que nous pas laguer l'évangile sans filtre parce que moi même j'ai mettre dans la gente ici parce que moi pas bon l'évangile là pas n'a fait allo qui encore sont à faire de là nous ca recevoir sans filtre oui ça c'est cette question de là c'est botte retirer toute hypocrisie, toute rancune. Amen. Amen. Bagay l'éternel te dit non, ni pas gagner en Noël, pas vle wè wè. Bon, et pour le Saint-Esprit, éclater sur la terre, puisse ministre. Alléluia. Amen. Seigneur. Donc, l'éternel dit nous dans ce chapitre là, levez campé. Yes. Ou bien pour clairer. L'éternel vient là pour faire un geste avec nous. Ah si ouais moi-même m'a parlé là ce soir là mon cher moi dis ça toi avec moi bon on me prend corona moi vais dans travail là non me changer gars des nèg qui travaille là nous toutes les gens mais pour différencier nous bon flan qui sorti Cap Vert dans bloc il qui tout près Afrique qui les gens Colin moi-même les gens Saint-Louis là au besoin d'identifier nous les gens Colin tel bail qui après les sur radio Jean Saint-Louis tel bail l'aime ça pas encore on a monté dans travail là mais tellement on est pas ouché monsieur en bas même pas ouché blanc africain toutes les connaît il y a des fois on a parlé avec eux je dis est-ce que c'est sérieux ou bien blague m'a fait tellement ba blague me fait oui et puis nèg dit bon je vais faire fâché et moi me connaît mon négociant nèg ancien nèg lycée dans comme qui passait dans lycée ça où c'est dans mais nous et puis quand il y a une combinaison pendant m'a parlé pendant ma parole et puis yo dit yo dou bagaille et puis pour l'autre là dit qui Jean qui est ce Jean yo et puis mes gongo québécois qui levé dans quartier haïtien qui parle créole et puis l'autre québécois dit c'est tel bail pour des gens on a dit c'est qui Jean il s'est dit Jean Covid ça dit que nom qui a changé on pas Jean c'est encore on est Jean Covid on est Jean Covid donc imagine même sorti dans douane avec un papier bon pour bon mes amis mieux nèg toujours courir moi bon nèg pas dans bail la main mais des fois ouais Jean prend papier à dans mon ça dit doit parce que non t'es qui a changé c'est Jean Covid et puis bon Dieu mettez me dehors donc année ça j'aime dit noir bayo c'est sans filtre pour s'abonner pour s'abonner fait bayo pas gagner l'évangile talon qui quitte encore c'est là c'est bon et puis pour nous laguer et va se calme donc et puis on a continué sous des bois nous pas clairer nous dans la Bible là on a comparé dans levé campé bon Dieu mettez-nous parce que nous toujours dans la foi donc faut capable lever camper faut gien foi là camp pour pas tomber faut gien foi que jambe ou pas trembler faut gien foi côté pour aller à côté rivé à ou pour aller ou tourner sans accident ça dit que sou m'a parlé de lever camper m'a dit dans Isaïe 60 c'est nous toujours dans la foi nous toujours dans la foi pour connait que ou pour éclairer tout bon faut quoi l'eau ou lever camper et pour pas éclairer ou pas voyer rayon
et pour tout le monde ouais la gloire de Dieu dans vous. Mais il faut avoir cette foi avec ça vous demander là. Nous voyons dans la Bible, si nous avons comparé lever campé dans Isaïe 60, nous avons deux façons pour Dieu traiter avec nous. Parfois, ou gen doit chita et parfois tout li gen doit mandou campé. On regarde côté bon Dieu te fait mon chita et puis le béni ou le bayo. En ouvert Bible dans Jean 6 verset 1 à 15. Nous pas plus tout non, mais n'a toujours prend quelques versets pour nous corroborer pour nous justifier ça nous dit. Ça nous a levé campé et puis nous va regarder côté leur campé ça à pied. L'autre chita, là, Jésus, parce que Jésus fait foi avec parole, il parle, sa bouche lui dit, mais l'accomplit. Nous allons regarder, Jean 6, verset 1 à 15. Mais nous allons appeler tout, nous appeler 1, 2, 3, 4, 5 versets. Nous appeler verset 2, nous appeler verset 3, nous appeler 6 là, 7 là, assez honnête. Même là, nous dit nous allons qu'un bon jusqu'à minuit, mais nous allons essayer à mes jours. Nous ne pouvons pas appeler tout, mais sauf que écrivons, gagnons pour aller faire reste lecture. Nous voyons que là, nous avons, côté Jésus en Galilée, côté la faible multiplication des pains dans Jean 6. Dans verset 2, il dit une grande foule les suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Verset 3, Jésus monta sur la montagne. Et là, il s'assit avec ses disciples. Et continuez à lire, ça reste pour vous. Nous avons verset 6 qu'on y a. Verset 6, il disait cela pour éprouver Philippe, car il savait ce qu'il allait faire. Et puis dans verset 7 là, Philippe répondait, les pains qu'on aurait pour 200 dentiers derniers ne suffisaient pas pour chacun en a reçu un peu. Verset 10, là pour nous finir, côté moi, là c'est la chita. Verset 10 là, et l'irrécio, verset 10 là, il dit Jésus dit, faites-les asseoir. Donc, ça qu'on a déduit dans deux chapitres, entre Esaïe 60 avec Jean 6, Jésus dit, faites-les asseoir. Depuis Jésus dit, chita, gagne toi. Mais c'est comme ça tout. Là, Jésus dit, nous levez campé. Nous prenons clairer. Ça, son l'autre maman Pemba. Et si la pli, verset. Et chapitre là, Noël est nous venant, verset qui pibe dans Jean 6, verset 12 là, nous venons attirer l'attention nous. Noël, côté que les foules là, c'est fin manger, et puis bien reste là, qui était, il y a sorti, il y a fait gagot, gaspillé, vous jeter, c'est un coup aujourd'hui à travers le monde, on s'est du côté, gagot a fait, mon appât, j'étais mangé ma fête là, et puis quelque part, mon a mouru de faim, Jésus parle mes bails. C'est comme d'ado, si tu apprends la Floride avec Haïti, qui a 45 minutes de vol, ou un vol d'oiseau, l'offre qui était tout abondant dans l'aéroport, mais à mes bagailles, après 45 minutes, on descend de la mer, on va sur le aéroport, on va garder une maïs, c'était soleil, j'ai caille, tout le monde dans la rue a fait besoin, à même les sols. Misère dans ce qui est mon abdomen pour vous porter un mallette pour vous. Jésus presque pas remet bagage ça. Jésus dit pas gaspiller, ramasser ratio, sembler. C'est pour moi son problème. D'où avant de dire l'offre intérieure ou quoi le bien amour, Jésus passe une geste avec vous. Ça que bien amour là, Jésus pas baoule pour le faire d'abord pour le gaspiller, pour que tu aies le milieu de monde, mais quoi c'est collé tout, machine Jésus pour le baoule, qui n'a pas qu'à mettre le baoule, on lift là dedans, on va faire de là, son façon pour. Parce que je dis à quelqu'un, il y a un peu de monde. Nous sommes un pasteur, on l'a, pendant Haïti, qui a prié sur les zones de radio-lumière.
li kampe li di mais Seigneur trop de grâce tellement riche tellement gagné et puis dans l'église là ou que doit avoir des petits moun y a besoin retourner pour moi à l'école Jésus pas vle ba ça ça ce sont des attitudes que nous m'demander dans bénédiction après ce voyou pour qu'on les bon Dieu la gros bagaille maman l'on va éclairer les bon Dieu béni bénédiction c'est pour bailler l'autre coup de défense pour aider le parti c'est pas pour humilier monde parce que l'on va éclairer ou pas bon Dieu pour le béni c'est pas les bon Dieu fin béni pour qu'être pas qu'à venir l'église encore belle machine noire c'est pour aller dans club pour aller dans grand festin non les ou même qui pas qui était malade il dit pour aller guérir l'on joue une bénédiction ça l'on fait éclairer c'est pour continuer vivre avec santé là pour marcher dans tout le monde dit ça bon Dieu fait pour vous parce que foi on t'est sauvé j'ai noté ouais côté Jésus fait visite il guérit malade c'est faut nous pas gagner attitude de la foule genre foule là dans Galilée yo connaît Jésus a bail manger Jésus a fait miracle Jésus yo là les Jésus fin béni ou boutique qui pral ba oua le dimanche ou bien t'as pas qu'à venir l'église encore parce que les a bien trop la vente l'on fin clairé c'est garder c'est demander pour vous dans Light and Peace Ministry Jésus parle mes gagotes donc les Jésus fin bon manger le fin plein ventre pas du pied ça me te manger pas de baou tout au contraire c'est pour rester pour toujours avoir rayon pour rayon continuer à manifester à prouver la gloire de Dieu pas gaspiller bénédiction mon Dieu dit nous lever pas faire mon abus les mon Dieu fin lever en dignité pas faire mon Dieu honte. Et nous joignons à travers la Bible, c'est mon bon Dieu levé en dignité, et mon bon Dieu prend caille bon corps, mon Dieu te prend un café, il mette au sous monde, bien des fois c'est mon Dieu honte. Nous joignons à travers la Bible, Saül, ou nègre, Jésus prend à chercher bourrique, il fait le vin noir. C'est caille bon corps, il va aller pour le calcon côté de l'autre. Saül tellement. À comprendre, il passe, il faut qu'on fasse foi avec la parole de Dieu. Ça y est, à le cacher dans le boumrad sale. C'est chercher à le chercher. Et pour ça, il a joué un moyen. L'éternel fin béni, il fait loi. Ça y est, à le caman bou quand même. Ça y est, fait bon Dieu honte. Et bon, l'éternel réussit. Veillez, lorsqu'il bon Dieu fin levo. Dans 2021, il faut éclairer pour abouer les rayons. Les c'est pour éclairer notre monde. Mais c'est pas pour jeter dignité, mon Dieu. David, on est bon Dieu, prenne rage, etc. Non, nous connaissons. On est maman, n'a pas parlé, abandonné. Mon Dieu, c'est lié, ça lié. Elle a flâné avec Abiwaya, Lille, ou Bathsheba, nous avons tout accusé. Ça, il, David a. Il est sans emmener, il n'est pas qu'à bâtir le temple éternel. On y a là, quand il est bien monté. Mais on est quand même, il fait un pile bagaille. Il écrit un pile chant. Il paye bon Dieu gloire. Il te fait confession. Et après, il est tellement, là, il est au côté, là, il songe côté bon Dieu. C'est mec qui écrit un pile, moi, il m'a apprécié, monsieur. Bon, c'est l'homme, c'est la dimension de l'homme, etc. Ça, il, David, lui, vos côtés, David a dansé, cadé démesurement, madame n'est pas compris, l'elle dit, madame n'est, vine fond rond, devant la chlétaine, là, pour l'elle songe, côté bon Dieu, que quand il mettait là, cadé, l'oublié et protocole, qui gagne dans le bail royal. Mais madame n'est dit, moi, ou pédite tout. Donc, en appliquer principio parce qu'on arrive un côté l'offre béni l'offre éclairé tout bon monde pour aller où il y a pas vivre pour tirer pour pas perdre tête tout pour kembe principio pour kembe lien là parce que senti j'ai tout le monde a parlé des malheurs mais ou même sous fait foi sous mesure fort pour
ka ale ou de la, ki ou pat panse. E paske, met la pral fon jet avek ou, li pral fer ou li pral fon chanjman de posisyon e de kondisyon nan la vi ou. Aswea, nan mando fè de Dje konfians davantaj. E, nou te chita sou kek paramèt avèk ou. Ou te wè lò beneficye, benediksyon bon Dje. Ou wè lò beni, non sel bagay, nou dou bon Dje son bon Dje, de justice liye. Lè li beni ou, pa fè moun abi ou mèm. Le bon Dieu fin béni ou, li y a quelques servantes, lèl voye ou nan store la, se ou pral dépanné ou, là ou moun ap kembe pou fè marché noir, ou même libéré ba yo. Gen des fois nou kite ba yo expiré, nou pral jete ou nan fatra. Mais nou pa aide ou pauvre malheureux que bon Dieu voye al nan boutique li fin ba oua. Li voye al pou tire yon lumière, nan bénédiction la. Et pou éteindre lumière sou li. Si bon Dieu te même jan avec nous. Qui est-ce qui t'a subsisté? C'est ça que fait, il compte parler de justification en vous présentant devant Dieu comme juge, comme notre Père, comme le Saint. C'est ça que fait, avant Dieu, bon Dieu, une fois, il y a des gestes qu'il fait avec nous, il épure nous, il sanctifie nous, il purifie nous avant pour nous capables de capacité, maturité, pour nous gérer bénédiction. Mon Dieu, rend justice à monde. Il demande justice à qui la justice? C'est imputé. Et il bat nous accès au royaume du salut. Et il nous convient également à nous-mêmes pour nous rester dans le royaume de Dieu. Et si nous voulons éclairer. Parce que bon Dieu, nous, son bon Dieu, il y aurait l'île. J'en ai tout à l'heure, dans le premier mot, la Jéhovah Jireh. Son Dieu de provision, son Dieu de délivrance. Son Dieu qui fait justice, qui rend justice, qui parfait mon monde, qui délivre nous, qui bénit nous dans le moment opportun. Et si nous venons avec Esaïe 60, que nous parlons les quelques versets pour vous, à tout à l'heure, c'est parce que l'Éternel va envoyer la délivrance à son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu, des enfants de Dieu. L'Éternel va nous envoyer sa délivrance, mes chers frères et sœurs et amis. N'a regardé dans Somme 111, côté Salmitlan, a loué l'Éternel. Salmitlan a dit, j'ai loué l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes, droits et dans l'assemblée, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice n'existe à jamais. Il a laissé à la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux, compatissant, il a donné de la nourriture à tous ceux qui les craignent. Bon, là, nous t'avons un thème, sous craintif, leur crainte, bon Dieu, il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affirmées pour l'éternité. Fait avec fidélité et droiture, il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Alléluia. Dieu soit loué. Donc, mes bien-aimés, la délivrance n'est nulle part ailleurs. La délivrance est à Dieu. Qui nous ouvre les portes. Bon Dieu, c'est lui-même. L'elle ouvre les portes. Personne n'a qu'à fermer. L'elle ferme, personne n'a qu'à ouvrir. De pour faire foi avec lui. Et foi dans la parole. Lui. Et c'est ça que fait. Thème ça, matin, à ce moment à clôturer l'année 2021. Bon Dieu sorti pour lever nos indignités. Il parle ouvert porte pour nous. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 7 et 8, parole a dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David.
Celui qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Très bien aimé, béni soit l'Éternel qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Est-ce que mon Dieu ne va pas promettre nous quelque chose? Dans ce thème ça, ou même qui t'apprend nos bagages depuis longtemps, eh bien, Dieu est celui qui ouvre les portes et que personne ne peut fermer. Personne ne peut vous détourner. Personne n'est pas capable de priver de la bénédiction de Dieu. Accordez-vous. Personne n'a le droit d'enlever de la bénédiction que Dieu vous donne. Mon Dieu prend le bas force, il prend le bon protection, il prend le bon pouvoir pour pouvoir jouir ses bénédictions. Donc ne soyez pas attristés. C'est ça que nous devons quitter toute vieille cicatrice, toute vieille bagaille qui entre, qui te font crier, quitter au derrière. Parce que l'Éternel lui vaut pour nous tout ce qui est autre chose. Donc maintenant, à ce qu'on a dit, restez dans mon Dieu. Fais mon Dieu confiance. Bah yo, l'Éternel a vu son geste avec vous. Demandez-nous pour nous lever camper. À ce qu'on peut le clé. Et à ce qu'on a quelques versets, nous allons souligner dans Esaïe, chapitre 60 là avec vous. Si Bible qui est dans mon là, c'est pour vous. Vous mettez ça là. On a souligné. Donc, comme qu'on a tout. Mon Bible, c'est dans le téléphone, Bible électronique qu'on a. Mais des fois, comme on a payé l'électricité, mais il faut procurer une Bible, parce que si le téléphone a un problème, il n'y a pas de charge seulement pour le téléphone, il n'y a pas de charge. Pas qu'à lui la donne, des fois, ou vous venez, il pas pour vous. Ou qu'à procurer toujours Bible. Mais si Bible qui n'a pas là, c'est Paul, le chef, le chef, il y a eu Dia, il n'y a pas souligné quelques versets. Non, Esaïe 60. Et, levez campé, nous voilà, béni. Esaïe 60, verset 3. Il dit, des nations, marche à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Peut-être qu'on a sous-estimé tout. Ou on ne doit pas avoir foi, même une petite graine montagne, pour dire côté de moi-même, des nations, des rois, pour avoir un rayon dans même. Non! Bon Dieu, son Dieu qui est redoutable, rien n'est impossible à lui. Ça que Bouche lui dit, mais l'accomplit. Verset 4 l'a dit, porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Petit tout. Il y a des bagailles qui parlent de niveau là, même là que vous avez passé dans l'événement. Mais petit tout vient pour nous jouer. Parce que l'Éternel te dit, pas Dieu pour mettre les sous tête. Et même Jean, ouais, la Bible dit qu'il y a des bagailles qu'on fait. Je transgresse les lois divines. Malédiction, on continue vous de génération en génération. Petit tout, on subit, on dit. Et peut-être, c'est une maman ou papa, c'est toi qui t'a débattu des vieux hôtels, diable réclamé, on fait passer misère. Et des fois, c'est une grand-parent qui mange figla, la terre, ou tombé, mais c'est pas où. Ils mangent raisin, mais c'est dans le tissu. Mais l'Éternel dit, bénédiction l'Éternel prend Dieu sous tête là dans Isaïe à soya l'on levé quand il rayon pour le bail là li pas pour vous seulement li pour des générations futures. Verset 5, tu tressailleras alors tu te réjouiras et ton cœur bondira se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Ou l'on pays pas pays où dans le pays où c'est Gagwa. Mais combien de fois on jouit des choses extraordinaires dans le pays côtoyer. C'est la bénédiction de l'Éternel.
qui suit vous, parce que son monde, depuis l'autre accepté Jésus, ou bon promesse sous tête, ou son enfant de la promesse. Donc, promesse, vos actes vous suivent. Sous tes fonds BA, jusqu'à présent, vous avez vu, petit ou abjil. À soi, nous demandons, c'est pour la main. Verset 10. On prend verset 7. Qu'on côté moi, mais ça, il dit, ils monteront sur mon hôtel et me seront agréables et je glorifierai la maison de ma gloire. Et, pas oublier, bon, les bon Dieu parle clair, les voies à terre, bah, yo même les, c'est l'église, mais yo pas l'église, oui, parce que l'éternel bail condition pour bénir, pour qu'on ça. Premièrement, faut faire foi dans la parole. Premièrement, faut confesser dans bouche où il fait roi ou t'es accepté comme sauveur. Et si on a regardé dans le verset ça, nous avons fait référence à Somme 24. Ce n'est pas n'importe qui. Si nous voyons Somme 24, verset 3 à 5, ce qui sa parole l'a dit, parce que bon Dieu parle son Dieu de justice, il n'y a pas qu'à bon monde qui sous la tête qui a prié, qui a gémi, qui a prié, qui toujours présent, qui toujours là, et puis ou même ou vint à coup papa bon coup, de coup, pas faire aucun sacrifice pour éclairer, à vous et non, bon condition. Et si nous prenons verset ça, nous avons lu Somme 24, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. C'est lui qui a les mains innocentes. Et le cœur pur, c'est celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Donc, si vous jouez, il y en a Isaïe 60 ans. Vous avez un Jean Bouillé, tout. Vous comprenez? Vous avez un Jean Bouillé. Donc, si nous arrivons dans le verset 10, là, il dit, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Tout fait foi à la parole de Dieu. Ou à saisir, ouais, des mots nous pas ta pensée. A bien fait vous, c'est au cap son jour. Ou pas qu'on dit qu'il est ou t'es relation ça. C'est gardez, sans qu'on ait fait ça. Réon. Parce que ou t'es fait obéissance, l'Éternel, ou levez campé. Ou t'es fait foi à la parole, ou levez campé. L'elle dit chita, j'ai espoir, bah, il mange, j'ai le miracle. L'elle dit campé ou campé. Avec une fois, je compte sur l'île là. Je suis content de passer le col. Je dis, font tu camper? Comment est-ce que tu as fait l'étude? Font tu camper? Camper, font louer. Il y a des fois, ce n'est pas passer le col qui dit. C'est bon Dieu qui met tes paroles là dans la bouche de la vie, c'est bon Dieu qui dit, il y a camper pour louer, pour adorer. Et puis, il y a des fois, c'est là l'éternel qui a fait un geste avec vous. Et puis, ou même vous gaspillez des bénédictions pour une désobéissance. Donc, il faut nous faire foi à la parole de Dieu. Bon Dieu, mettez tellement sur le programme. Non. Quelle fois, vous avez vu le pasteur Kalou, celui-ci a tapé, c'est regardez le WLT, l'homme, il écrit non, c'est tel. Vous avez vu pas l'écrit pour jouer. Mais il joue à Genoa, c'est bon monde qui te gagne pour tant de paroles. Et puis, il met elle. Donc, il faut nous obéissant. Verset 11, il dit tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit afin de laisser rentrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leur suite. Donc l'Éternel vient les voler, les capot. Dans Genèse Isaïe, au côté, il dit faites entrer chez vous les malheureux sans asile. L'Éternel prend le bon clé. Il parle bon petit, il parle bon caille, il parle bon machine, mais bénédiction. Ce n'est pas pour aller faire mon malhonnête, mettre mon dehors la caille ou dégâter mon avant et religieux de paix parce qu'on a clé. Chaque baoul, c'est l'Éternel qui bénit. Parce qu'on joue, on te fait foi à parole. Donc, si vous observez le principe, mais comment, là, vous parliez, bah, yo la recette, yo là, mes bien-aimés. Parfois, c'est la péri, j'ai osé dire, la pas faute de connaissance. De des fois, on a mis accent sur des choses qui n'ont pas accent, on a gratté côté qui n'a pas gratté nous. Nous chita dans la compétition, pas plus bon, et puis bénédiction même à gaspiller. De des fois, c'est notre nation. Et parfois, les bons dieux finissent avec nous. Ils nous pas dit merci, ils nous pas fait loin, ils nous pas fait action de grâce, n'allez. C'est fou le nouillet.
nous pas arrêter à l'école du Seigneur, nous pas arrêter dans l'enseignement de la parole. Et nous avons l'attitude de la foule. Et puis nous finissons manger, votre nous plein d'aller. Mais le monde qui est à l'école, les disciples, ont toujours été. Laissez besoin parler, bah essayer avec le monde qui a suivi, on lui dit passons à l'autre bord. Foule là, nous nous dit non à la caille nous. Et manger, me devine manger, votre nous plein. Essayez après le servir avec nous. Au lieu que tu étais délaissé et que personne ne parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Un sujet de joie de génération en génération. Nous disons ça déjà. C'est ça qui arrive avec Abraham. Il voyait l'aller, il passait logique. Et bien, verset 16 ans, parce qu'il est arrivé, et bien, verset 16 ans, 60 ans, il dit, tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois. Et qui saura que je suis l'Éternel, le signe d'elle, ton sauveur. Sous pas fait foi avec parolier. Et des fois, vous souffrez. Ou son monde qui levait nos paquets de bagages, ou venez pour un enfant prodigue. Ou prend la vie pour vous, ou à chercher côté de pas gagner. Et puis la caille papa, ou des bagages à gogo, serviteur et esclave à manger. Ton rédempteur, le puissant Jacob. Au lieu de l'airain, je fais revenir de l'or. Donc, bien des fois, on va chercher l'Éternel qui t'ont bon plat pour vous, Jean, frère Adili, et puis vous-même, l'Éternel qui t'ont tape gagné pour vous, même quand j'ai aux eaux aller, au lieu de l'erreur, le fer, je fais revenir de l'argent, au lieu de bois, de l'erreur, au lieu des pierres, du fer, je fais régner sur toi la paix et dominer la justice. Et on entendra parler de violence dans ton pays, ni de ravages, ni de ruines. Dans ton territoire, tu donneras à tes murs le nom du salut, à tes portes, celui de gloire. Là, nous-mêmes qui défendons, nous avons subi injustice. Côté que les dirigeants, les monde qui placent pour la justice, ce sont des gens qui ne respirent que la violence dans le pays. Nous avons mouru, kidnapping, toute bagaille a fait. Nous promesses. Mais des fois, les barrières, même à l'étranger, ou bien nostalgie. C'est mon yon kap suiv chalet, mais ou même si tension a tué au Boïsia, mais l'Éternel va y provision pour vous à cela. Levez campé, il va éclairer, c'est pas pour vous, des générations, même entourage vous. Égyptien, ça y a kap fait couler des sangs, kap fait moun crier, mais bien dans les moun, yon jour, ap gade ou pas pour yon. Rete en place, rete en pied, l'Éternel, fait confiance. Et on va pouvoir délivrer ce que l'Éternel va vous accorder dans l'année qui a venu. Et mon verset, ma vie, je souvent dit, assez souvent, je songe côté des références liées. Et bien des fois, je dis sans référence, c'est dans verset 21. Nous-mêmes qui la soyons, dans toute péripétie, toute COVID, toute maladie, nous conservons la Mbaplo, mais non, mais tout en a parlé, il dit toute jeunesse, il passe de la souffrance. Il l'a dit, il est docteur. À soi, bon Dieu, dis-moi, dis où? Si on l'a toujours, le bon plan pour vous, c'est votre bon Dieu. Ouais, verset 20, verset 60. Ton soleil ne se couchera plus, et la lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Right. Les jours de ton deuil seront passés. C'est-à-dire que y a des mondes, COVID te doit pour te aller, maladie te doit finir avec toi déjà, et une opération, le cœur, en pile bagaille te doit arriver. Mais l'Éternel dit nous, l'écraser ce que tu as tellement envoyé. Les jours de ton deuil sont passés. On ne connaît pour qui ça. Mais c'est à dire nous, levez campé. Light and Peace Ministry. Amen. Levez campé. Il peut aller. Il est en 10h20. Nous arrivons dans. Presque dans. Nous arrivons dans le thème. On peut être là. Mais on fait le bagage. Je dis pour faire bilan. Pour jouer une visite. Pour jouer la bénédiction de l'Éternel. Pour faire. Même Jean David dit dans Somme 23, verset 1er, il faut que l'Éternel te berge. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
C'est une promesse. Jésus doit être votre berger. Chers frères et sœurs, mes bien-aimés, la Sainte Christine ici. Ou cette promesse qui n'a thème nous pendant tout le mois, ça. C'est pour nous. Tout ça nous sort là, c'est pour nous. Parce que le monde qui dit parole, ça, il est le Dieu de la provision. Oui. Donc, vous pour terminer, mes chers frères et sœurs et amis, nous avons dit, nous avons fait référence avec David qui te dit l'Éternel est mon berger. Nous, David, qui est un berger, qui a dit l'autre berger, tu es mon berger. Amen. Donc, David, amen. L'Éternel est mon berger, je mon berger. C'était une promesse. Donc, parce que vos dieux sont dieux de provision, les voies de nous lever camper. Donc, vous ne manquerez pas de la nourriture, vous ne manquerez pas de paix, de protection, d'eau, de sécurité, de guérison, de force, d'énergie. Vous ne serez privé de rien. Signé Jéhovah Jireh. J'ai fait le Dieu de la provision. Dieu, il pourvoira, mes chers frères et sœurs, le nom symbolique qui est donné par Abraham au mont Morija en souvenir de l'interposition de l'ange de l'Éternel qui arrêta le sacrifice d'Isaac en procurant un bélier à sa place. Et dit ça, nous en période que n'a célébré par lui. David dit, Jésus, l'Éternel pas manqué à rien. Et ce bélier n'est autre que symbole de Jésus-Christ qui allait être sacrifié à la croix. Ou moi-même avant, nous étions capables de la vie, je dis. Le Dieu de la provision, qui ne vous abandonne pas. Parce que sa bouche, ça le dit, lui-même l'accomplit. Dieu qui a tout en réserve. Dieu qui a un cœur en réserve, foi, tout organe honnête. C'est le Dieu de provision. Ou même qui a souffert, je dis. Qui a une tension, qui a une sciatique, qui a une malade dans les yeux, qui est malade. Quel que soit organe, le Dieu de la provision, tellement fait confiance. Il y a la foi. Et dans Esaïe, verset 14 et 15, et Israël, c'est presque font reproche comme ça à l'Éternel. Dans Esaïe 49, verset 14 et 15, il dit, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Et réponse là, pas trop loin, dans 15 ans, il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai plus. Il te dit, je ne t'oublierai pas, il n'est pas tentatif. Mais l'Éternel, pas oublié. Sous l'île, là, soya. Fais bon Dieu confiance. Pour le pape privé de rien. On y a toujours. Souvenir. C'est peut-être ça. Amen. C'est ça qui fait le plein à soi. Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous rejoignons. Parole ça. Écoutez, ça le dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 31 à 34. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 31 à 34, parce que c'est long, on va l'aller au même là que nous te dit dans ce sens-là. Assoya, dans Matthieu, chapitre 6, verset 31 à 34, il dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangeons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, par le lendemain, aura soin de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. Mes amis, fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu nous en confiance. Les pas oublier nous. Il y a longtemps, on a fait des prières, des actions de grâce. Mais, je dis à mon Dieu, dit, il va lever nous, il va éclairer nous. Il peut aller la bon bagaille dans mes nous. Nous pouvons aller pour l'autre niveau, en maintenant. Nous pouvons éclairer. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 19, parole a dit, mon Dieu, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse
avec gloire en Jésus-Christ. Donc, Dieu, il pourvoira vos besoins. C'est pour ça. Dieu disait à Marc, t'inquiète. Pourquoi on va pas agiter pour beaucoup de choses? Je suis là. À chaque fois, les sœurs l'est arrivé. Je vous conseille grandement d'avoir une attitude de brebis. Et nous, bien longtemps, la précipité somme 23, comme Jacques répète, soyez des brebis, des aïeux. Soumettez-vous donc à Dieu. Faites confiance, soyez obéissants. Pour ne pas gaspiller nos bénédictions, nos grâces, nos promesses. Peut-être n'a pas demandé depuis longtemps. Quoi d'abord, faites bon Dieu confiance, gagnez la foi, et vous verrez la gloire de Dieu. Mais croyez d'abord. Et Jean Nodabdou là, le bon Dieu dit chita l'espoir, Libanon. Le nous dit nous lever, lever camper. Il des promesses, il fait d'excellentes promesses. Donc, Light and Peace Ministry, lever camper. Pour pas éclairer, pour ne pas gaspiller nos bénédictions tant attendues par une débrouillissance. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.